pour le match face à Benfica dans cet épisode de Fou Furieux. Fou Furieux face aussi le match face à Paris et face à Lyon. Donc voici les deux compositions. Moi c'est Lux, pardon, j'ai oublié de vous préciser pour l'épisode d'avant. On se retrouve pour le meilleur moment de ce match. Ciao. Oh, la tête de Carlos Vinicius qui passe à côté. Et ça passe aussi à côté, cette frappe de... C'est qui le 27? C'est... Rafa Silva, je crois. Si j'ai un bon cerveau. Toujours 0-0. Allez, Payet qui s'arrache pour Sanson. Oh, penalty! Non, sérieux! Oh, il me tacle à la fin, un moment! Je veux bien qu'il loupe sa frappe, mais regardez, un moment, il y a rien. Bon, toujours 0-0. Attention. Et c'est dégagé. Attention, Rafa Silva, la contre-attaque. Bien joué, Mandanda. Quelle sortie, dit le phénoméno. Mi-temps de ce match en Champions League. 0-0 entre Benfica et l'Olympique de Marseille. Nous nous retrouvons pour les prochains instants de la seconde période. Allez. Marley Aké, oh non! Oh, ça passe au-dessus, cette tête de Marley Aké. Et c'est touché, je crois, par Lux. Non, même pas. Oh, la tête, oulala! Oh, que c'était chaud cette action! Ouh là 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 là, là je pensais qu'il était hors jeu. La tête, elle est déjà la deuxième barre, je crois, dans ce match pour Benfica. Allez, ça caille! Oh non, la part de Lux! Attention! Sanson! Aké, le but de Marley Aké! Son premier but, si je dis pas de bêtises, dans sa jeune carrière en Champions League! C'est quoi cette danse? Il y aurait la danse de Moïskine. Là, c'est dégagé, sa cafouille. Là, hop, petite balle en douceur. Et là, ça passe. Et Marley Aké qui finit 1-0 dans l'OM. Pour l'OM dans cette rencontre. Attention, la tête. Le but de pour Benfica. Ah là 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 là. Mandanda qui ne peut rien faire, Loupette avec sa taille, et en plus il s'écrase par terre, il ne peut rien faire. Allez, 1. Allez, Aké dans la profondeur pour Payet. Oui, t'en vas le but à la quasi dernière seconde de ce match. Plutôt dernière minute. Hein. Vamos, le but 2-1 pour l'OM. Là, on voit
J'avais peur qu'il soit hors-jeu, hein, Payet, mais il est pas finalement. Là, il attend le dernier moment pour la jouer rentrer sur Thauvin qui est un peu en déséquilibre, mais qui arrive à marquer. Vamos! 2-1 pour l'OM! Allez, victoire de l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. 2-1. Sur un beau scénario à tout qui a changé le match. Comment aussi? Voici les autres résultats juste au-dessus de moi. C'est Copenhague, le Barça, le Celtic. Juste au-dessus de moi, c'est Young Boys, Arsenal et l'Olympiakos. Donc voilà les résultats. City, ils ont fait quoi? City, ils sont 4-2 face au Celtic. On passe devant le Celtic, donc pourquoi pas viser une potentielle place en Europa League, ça peut être intéressant. Allez, on se retrouve directement pour le Classico. Attends, peut-être conférence de presse. Ah, voilà. Quelle sera l'issue du derby d'après vous? On va dire on fait jeu égal parce qu'on les a peut-être gagnés. Enfin, voilà, c'est un enjeu au niveau du classement. Allez, on se retrouve tout de suite pour le Classico. Allez, le perdre contre le PSG n'est pas une option. Restez en permanence en mouvement, contrôlez le jeu et concentrez-vous, dit Laurent Blanc. Un derby ne se gagne pas seulement avec sa technique ou sa tactique, c'est la passion qui permet de gagner ce genre de match. Alors, à vous de jouer et lâchez-vous. Allez, 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 les gars. Allez, on se retrouve directement pour le match. Allez, on se retrouve pour le match au Parc des Princes pour le Classico. Voilà. Écoutons la musique du PSG. C'est Boulka dans les cages, c'est même pas Navas ni Rico, Boulka. Allez, on va tout skipper. Allez, voici les deux compositions. Ouais, c'est Boulka, ok. 70, pas mal. Navas, ok, remplaçant. Donc, on se retrouve pour les moments de ce match. Sanson, ça passe. Juste à côté, cette frappe de Morgan Sanson. Alors qu'on revoit l'action. Là, Sanson qui se met dans le bon sens du but. Et ça passe juste à côté, cette frappe. Toujours 0-0. Quel tacle de Ono. Ouais, c'est pour être carton rouge, ça. Oh, monsieur l'arbitre. J'ai jamais vu un tacle d'une telle intensité. À part peut-être cette tentative d'assassinat sur Thauvin. Et Mandanda l'emballant sur Thauvin. Wesh! 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 Calmement, ça, avec Thauvin, il a rien fait. C'est vrai. Ouais. Normalement, ça c'est rouge. Hein. Attention, ils sont seuls là. Il y avait, je sais pas combien de joueurs de Paris qui étaient seuls. C'était assez impressionnant. Donc, mi-temps 0-0. On se retrouve pour la seconde période. Allez, Thauvin à la but. Il a failli pas le mettre. La mettre. Mais il a mis Florian Thauvin. Ah, il prend le poteau de corner de Paris et il vise Florian Thauvin. On revoit la belle construction. Payet qui centre après sur Thauvin.
Payet qui a failli pas la mettre, mais qui la met dans les buts. 1-0 pour l'OM. La délivrance. Allez, Payet qui laisse passer. Milito. Oh non! Poteau de Pipa Benito. La Payet qui arrive à la prendre au physique. Et Benito là, parade de Boulka. Et Poteau sortant, qui mettra le ballon en sortie de but. 71e minute. 1-0 pour l'OM. Alvaro pour Payet. Non. Ah là là, c'est dégagé ensuite. Grosse domination de l'OM. On surdomine ce match. On fait des changements n'importe comment. Non, sérieux, attends, on va faire des changements. Marcelo qui va entrer pour son premier classico de sa carrière. Pas tout jeune, hein, carrière. Et c'est dégagé. Et belle sortie de Mandanda sur une frappe de Nicolas Pepe qui a signé à Paris. Attention, le ballon sur Neymar. Ah là 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 là, l'égalisation du Paris Saint-Germain de Neymar. Wouah, découpage de Marco Verratti. Attends, c'est le carton rouge tout à l'heure, c'était pas déjà plein jaune. Ah non, c'était Ono, pardon. Allez, Benito. Aïe, aïe, aïe. Marqué que des buts à la dernière seconde sur les deux derniers épisodes. Yes! Allez, la potentielle victoire qui se dessine sur une erreur défensive de Marquinhos. Ah, ça va lui traîner dans la tête, hein, cette erreur. Allez, Benito. Benito pour... Faute. Non, sérieux. C'est pas grave, on gagne 2-1. Et panama. Non, je sais pas si je suis dans le monde. Allez, victoire de l'OM face à Paris dans le Classico. Et voici les autres résultats. On passe premier de ce championnat. Allez, on se retrouve directement pour l'Olympico. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le troisième et dernier match de cet épisode de Fou Furieux. Voici les deux compositions. Juste au-dessus de moi, c'est Mandanda. Face à Paris, juste au-dessus de moi, c'est Bulka. Pardonnez-moi du retard. Oh non, la boulette. Oh, de Steve Mandanda. J'ai cru qu'elle y était, il a loupé. Bertrand Traoré. Quelle chance pour Steve Mandanda. Allez, faute obtenue par Thauvin.
sa place modifiée extérieure. Il était seul là, toi. Hein. Grosse erreur de marquage. Et comme il y avait le mur, il était bien protégé, hein, quand même, couvert. Attention, il y a une fille de paille. Belle parade de Stalmonda. Allez, ça sent. Sur Camara. Et faute. Ils font beaucoup de fautes, les Lyonnais. Et c'est bien parce qu'elle n'y était pas et Lopez la touche. Imaginez, on marque sur ce corner. Ce sera la faute à Lopez. Bah non, on ne marquera pas. Attention, Bertrand Traoré. Et le but pour l'OL. Ils ouvrent le score dans ce match, les Lyonnais. Ouh, Bertrand Traoré, il a failli doubler la mise. Et Mandanda qui capte. Alors, je vais Eto. Ça va être la mi-temps sur le score. Non, 0 pour Lyon. Allez, allez, allez. Voilà, c'est toujours pas la mi-temps. Bon, allez, c'est enfin la mi-temps. On se retrouve pour le meilleur moment de la seconde période, sachant qu'il y a 1-0 pour Lyon. Allez, Payet. Oh, la parade d'Anthony Lopez. Payet qui avait un peu trop poussé son ballon. Allez, changement du côté de l'Olympique Lyonnais. Et Lopez qui captera ce ballon. Et la belle parade de Mandanda. Et le but de Memphis Depay à la suite de cette boulette de Stéphane Mandanda. Allez, fin du match face à Lyon. Défaite malheureusement. On se quitte quand même sur un bel épisode. Hein. Bel épisode de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille. Voici les autres résultats. Est-ce que les gros ont gagné? Lille a perdu. Sinon bien. Paris a gagné quand même. On passe à la troisième place. À la suite de cette défaite. Pour le prochain épisode, on se retrouve pour le match face à Bordeaux. Le match face à City. Et le match face à Caen. Donc... voilà, blessure pour Milito. Il lui restait combien de temps, s'il vous plaît, messieurs? Une semaine. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker. T'abonner, ça fait juste ici, maintenant. Donc voilà, abonne-toi, like, commente, partage. Fais tout ce que tu veux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. C'était MatchFoot99.